Bonjour, donc troisième partie, nous allons aborder la posture de Salabhasana qui veut dire la sauterelle. Vous vous mettez à plat ventre, vous placez vos mains de chaque côté de la poitrine et vous préparez vos jambes. Regardez bien mes jambes. J'inspire, je monte une jambe, je tourne la cuisse vers l'intérieur. J'inspire, je montre l'autre jambe et je fais pareil. J'allonge mes coups de pied. J'inspire profondément, je m'allonge et j'étire les épaules en arrière des oreilles. Je rentre mon coccyx. Je décolle mes genoux du sol et ensuite j'inspire, je tire mes doigts en arrière des fessiers et je monte au-dessus des hanches et dans l'expiration je vais monter. Expirez, revenez. Bien entendu, vous allez tenir plus longtemps. Avec la sangle, voilà ce qu'on peut faire, c'est intéressant. De faire cette posture avec une sangle dans les poignets. C'est une autre variante. Donc vous replacez vos cuisses vers l'intérieur. Vous inspirez, vous tirez vos épaules loin des oreilles et vous poussez vos doigts vers les talons. Vous montez la sangle. Et en expirant, vous montez. Et vous descendez dans une expire. Cette sangle vous permet d'avoir une symétrie et une meilleure portée sur vos épaules. Donc c'est intéressant. Maintenant, je vous propose la posture de Dhanurasana qui veut dire l'arc. Même préparation pour les jambes. Je tourne mes cuisses vers l'intérieur. Je monte bien les genoux. Puis j'écarte mes pieds ce coup-ci de environ la largeur du bassin. Je plie mes genoux et je vais chercher avec tous mes doigts de chaque côté des chevilles. Je pousse bien mes orteils vers le ciel. J'inspire. Je tire mes épaules loin des oreilles grâce à l'étirement des pieds vers l'arrière. Puis j'expire, je monte la poitrine comme si je développais la poitrine vers l'avant et que le vent poussait le haut de mon dos. Deuxième partie, j'inspire profondément. Puis j'expire, je monte les genoux. Expiration, retour, revenir. Mettez les mains de chaque côté de la poitrine. Redressez vos orteils sur le sol. Chaturanga Dandasana pour se détendre le dos. Expire. Et revenir. À tout à l'heure pour les postures suivantes.